Bientôt 60 ans que les trains du chemin de fer circulent et sillonnent dunes, vallées et villes algériennes. Qu'il fasse chaud, qu'il vente ou qu'il neige, les wagons continuent de relier les localités, de transporter des gens, de charger de la marchandise. Alors que d'autres moyens de transport tels que l'automobile et l'avion ont fait nettement reculer sa part de marché, le train a su garder ses lettres de noblesse. SNTF, c'est la Société Nationale Transport Ferroviaire. C'est la société qui exploite le réseau ferré. Ça veut dire assurer un transport, que ce soit voyageur, que ce soit marchandise. Le mot exploitation, il est lié à une triptyque. Ça veut dire qu'il faut avoir les outils, qui est l'infrastructure, qui est la voie, la signalisation, locomotive, voiture, wagon. Nous avons l'être humain, c'est-à-dire c'est l'agent, c'est le cheminot qui utilise ces outils-là et les procédures. Donc, avec ces trois éléments essentiels, on peut parler d'exploitation. Mais avant de pouvoir exploiter ces lignes, leur réalisation est assurée par le maître d'ouvrage délégué, une agence chargée de mettre en place les programmes arrêtés par les pouvoirs publics en matière d'études et d'assurer le suivi de la réalisation des investissements ferroviaires qui lui sont confiés, l'ANESRIF, ou l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires. Donc on a l'étendue nationale, donc toutes les wilayas sont touchées par des investissements ferroviaires, que ce soit des études, que ce soit la réalisation. Donc on fait le suivi, on est chargé aussi de lancer des études préliminaires et en même temps de développer l'engineering ferroviaire. Quand on réalise cette infrastructure, c'est la SNTF qui va exploiter ce réseau. Avec ses 4000 km de lignes exploitées, le réseau ferré algérien, SNTF, ANESRIF et leurs filiales regroupent plus d'une dizaine de sociétés affiliées, des sociétés de services, d'exploitation et gestion, d'études et travaux, de transports combinés et logistiques. Il est considéré aujourd'hui comme parmi les plus modernes en Afrique. Il sert au transport des personnes et celui de marchandises diverses. Son réseau couvre 38 wilayas du pays, avec pour objectif futur de connecter toutes les villes d'Algérie entre elles. Nous avons plus de 500 gares entre gares et haltes. Nous avons aussi des tunnels, 142 tunnels. On a 58 km de viaduc qui traversent des dépressions, des montagnes, des ouèdes. Et on a plus de 47 km de tunnels. Avec ça, nous avons aussi les moyens matériels. Nous avons 182 locomotives, tout type confondus. Nous avons 17 autorails Coradia pour les voyageurs. Et nous avons 289 voitures, tout type confondus. Ajoutés à ces moyens matériels, nous avons 16 830 agents cheminots. Nous avons entamé ce travail afin de comprendre en quoi le chemin de fer algérien est un allié de choix à l'évolution économique du pays et comment il peut se positionner comme un sérieux concurrent aux autres moyens de transport. L'avantage du transport ferroviaire par rapport à d'autres modes, notamment pour les modes de transport terrestre, la route, c'est un transport de masse et je vais vous illustrer un petit peu la situation. Un train, c'est l'équivalent d'une vingtaine de camions. Ce qui fait que, économiquement parlant, le train, en fait, vient éliminer un nombre important de camions sur les routes. Donc, on fait l'économie de l'usure des routes, l'usure des roues, des camions, des accidents, parce que la santé aussi a un coût.
Selon les statistiques du commissariat algérien à la sécurité des routes, au cours des 12 mois de l'année 2021, l'Algérie a enregistré un peu plus de 3 000 morts et près de 30 000 blessés dans 22 000 accidents de la route à travers le pays. Au-delà du coût précieux de la vie, ces sinistres routiers entraînent, selon la Direction générale du Centre national de prévention et de sécurité routière, globalement des pertes financières s'élevant à près de 100 milliards de dinars annuels. Une étude de l'Université de Batna chiffre quant à elle à environ 2 200 000 dinars le coût d'un accident de la route. Si on compare le train par rapport au nombre de véhicules actuellement, on est en train de désengorger un petit peu le flux, la congestion de la route. C'est 1600 personnes par train. Donc c'est l'équivalent de 1600 véhicules, c'est l'équivalent, si on va même diviser par 4, ça sera un nombre énorme. C'est connu mondialement, le rail, il favorise la sécurité, c'est l'un des modes les plus sécurisés au monde. Également sur l'utilisation des terrains, pour la réalisation d'un chemin de fer, il nous faut moins de 50 fois les terrains utilisés pour la réalisation d'une autoroute à trois voies. Pour construire, par exemple, une voie à double voie, on a besoin de 13,60 m. Donc, par rapport à d'autres moyens de transport, par exemple la route ou l'autoroute, ça demande une superficie plus importante. Donc, nous, l'avantage, c'est qu'on occupe moins de surface et on est moins polluant par rapport à d'autres modes de transport. En plus du désengorgement des routes, le train présente d'autres atouts de voyage. Plus flexible que le transport aérien ou maritime, pour beaucoup, il reste le moyen le plus pratique pour se déplacer, de ville en ville, de pays en pays, ou encore plus simplement, du travail à la maison. La SNCF fait le transport de masse, donc elle peut aller un peu partout, donc il assure la sécurité, et même à bord des trains, les voyageurs, ils sont plus à l'aise, ils peuvent bouger, ils ont, avec les nouvelles voitures qu'on a réhabilitées, ils peuvent même travailler, ils ont le système de la connexion. Il y a plusieurs opérations qui se lancent actuellement pour équiper nos trains de Wi-Fi, la possibilité de se connecter. On est toujours connecté au monde, même en voyageant, avec un confort absolu. C'est pour se mettre à niveau avec ce qui est actuellement disponible à travers le monde. En plus, on peut apprécier le paysage. Donc on a un beau pays, donc on apprécie le paysage. حبك حكاية يا للناس انتي رواية كلك احساس انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية. Avec des enjeux significatifs pour la politique publique, aménagement du territoire, rentabilité, industrie, écologie, désenclavement des régions et garantie de services publics, nous nous sommes intéressés à tous les aspects de la mobilité ferroviaire, parfois difficile à concilier entre rapidité, sécurité, employabilité et bien entendu coût écologique et empreinte carbone. Tout cela afin de comprendre les avantages économiques du transport ferroviaire et ses perspectives d'avenir dans notre pays. Pour résumer, afin de comprendre pourquoi les pouvoirs publics investissent dans le ferroviaire. L'État algérien a consenti de grands efforts dans le développement des chemins de fer. Premièrement, c'est un service public. Deuxièmement, ils permettent le déplacement des populations d'une ville à une autre. Maintenant, on parle, c'est pas des lignes éloignées de tant de kilomètres, mais le temps de parcours. Alger-Oran, on espère de les faire en moins de 4 heures. La mission principale de la SNCF, c'est de rapprocher, de relier justement toutes les villes, que ce soit du nord vers le sud ou le contraire, du sud vers le nord via les hauts plateaux. Sur la question de certaines zones qui se trouvent au niveau du Sahara ou des hauts plateaux,
Et actuellement, on couvre près de 38 wilayas sur les 58. Ce mode de transport, justement, c'est qualité. Essentiellement, c'est que c'est un mode de transport de masse. Donc, il peut transporter des quantités aussi bien de marchandises qu'un nombre de voyageurs importants. Participe à la décongestion des routes et participe également à amoindrir les impacts sur l'environnement, parce que c'est un transport propre. Le chemin de fer, il est déjà là pour l'utilité publique. Donc, on est là pour servir le citoyen, pour le transport des personnes ou bien pour le transport du fret. C'est clair, le fret ferroviaire, il occupe une place prépondérante dans l'économie nationale. Donc, actuellement déjà, on participe à des opérations d'exportation. Si vous prenez par exemple le phosphate, il est exporté, donc c'est au moyen du chemin de fer. On participe à la production des sites industriels. On participe aussi dans l'acheminement des produits stratégiques que sont les céréales et le carburant. Donc on les transporte sur différents points sur le territoire, que ce soit à l'est ou à l'ouest ou bien au sud du pays. Avec l'offre multimodale qu'on a mis sur le marché, donc on peut aller jusqu'à au-delà des points desservis par le réseau ferroviaire. Actuellement, on est en train d'exploiter 4000 km avec les 2000 qu'on a réceptionnés. Il y a 2300 km qui sont en cours de réalisation. L'année prochaine, on va faire les 6500 et on projette à moyen terme 15 000 km. C'est minimiser du transfert du devise. On va rester sur le local, créer des entreprises nationales qui vont assurer la fourniture de la pièce de rechange au lieu de se focaliser sur l'importation de la pièce. Tout ça, c'est un atout. Et plus, c'est la formation de notre personnel, c'est la formation continue et le transfert technologique. Quand on parle de PIB, on parle de transport à l'intérieur. Donc, c'est un élément très, très important pour pouvoir être compétitif. Et en plus de ça, une des orientations, c'est d'aller vers l'export. Donc, si on ne maîtrise pas ces coûts, pratiquement, on est à côté de cette notion de l'export. C'est pour ça que le transport ferroviaire est le mieux indiqué pour pouvoir transporter toutes ces masses-là vers l'export ou bien vice-versa. Au début de cette enquête, nous avons découvert que partout dans le monde, l'évolution que connaît le chemin de fer accompagne la révolution en vigueur dans le domaine du transport. À l'instar de la Chine qui fait du rail un élément capital de son gigantesque plan de la nouvelle route de la soie. De nos jours, le globe est parcouru par plus d'un million de kilomètres de voies ferrées. Le réseau américain est le réseau le plus long en termes de kilométrage. Il est essentiellement consacré au fret. Il assure le transport de 40% des marchandises qui voyagent dans le pays. En Europe, le transport passager compte pour 82% du transport ferroviaire, ce qui fait du continent la région où le réseau voyageur est le plus dense. Le transport ferroviaire, c'est un mode de transport très économique pour toutes les économies mondiales. Il n'y a qu'à voir les réseaux des pays développés. Ils ont bien développé le réseau, tant et si bien qu'aujourd'hui, il y a des trains, il y a des corridors en Europe qui relient entre les différents pays. Il y a des pays en Europe qui favorisent, qui avantagent le transport par rail et qui obligent parfois les camionneurs, les transporteurs routiers à utiliser ce qu'on appelle le mode ferroutage. Vous êtes obligé de mettre votre camion sur un wagon plat et de l'emmener de l'autre côté, donc une frontière donnée, un autre pays européen. On voit bien que la Chine compte justement, est en train de réaliser la ligne de la soie à travers la voie ferrée justement qui relie la Chine à l'Europe. Donc vous voyez, c'est parce que c'est un facteur de développement et qui a un impact direct sur l'économie des nations que beaucoup de pays développent le chemin de fer. Développer le réseau de chemin de fer, ce qui se fait actuellement, ce que nous constatons, nous voyons, avec des décisions très importantes qui sont prises au niveau, y compris de la SNCF, aller par exemple vers le sud, ça va nous offrir des opportunités extraordinaires, y compris pour la STPE.
pour transporter les produits énergétiques des destinations qui sont assurées jusque-là par route. Et d'ailleurs, dans le schéma national d'aménagement de territoire, le SNAT, qui a été promulgué en loi, le rôle du train dans le transport est un élément essentiel pour le développement du pays. Dans une économie toujours plus internationale et interconnectée, l'Algérie n'est pas en reste et met le chemin de fer au cœur de sa stratégie de développement et de modernisation du secteur du transport. Mais avant d'aller plus loin, un regard dans le rétroviseur s'impose afin de comprendre les origines et l'évolution de ce mode de transport. Effectivement, le transport guidé que nous connaissons aujourd'hui prend ses racines dans l'Antiquité. L'ancêtre du chemin de fer pourrait nous parvenir de l'Égypte antique et ses roulements sur des plans inclinés en bois. L'une des questions les plus répandues que les gens se posent à propos de l'Égypte antique est comment les ouvriers ont-ils pu déplacer tous ces blocs lourds servant à construire les impressionnantes pyramides d'Égypte. Des physiciens de l'Université des Pays-Bas ont prouvé que les blocs de pierre à partir desquels les pyramides ont été construites ont été placés sur du sable humide et déplacés à l'aide de planches en bois. Cette idée a été exprimée sur la base d'une fresque ancienne. Des hiéroglyphes représentant une sépulture de la 2e dynastie montrent 172 personnes tirant une statue en albâtre représentant un haut dignitaire égyptien, Duhotihotep II, devant peser 48 tonnes. Ces 172 travailleurs tirent sur un traîneau en bois tandis qu'un homme verse de l'eau directement sur le sable devant eux. Cela a donné aux scientifiques des raisons de croire que les blocs de pierre ont été traînés de la même manière. Des physiciens néerlandais ont mené une expérience dans des conditions de laboratoire. Ils ont reconstitué des modèles de traîneaux égyptiens pour mesurer la force de traction requise lors d'un tel traînage sur le sable. Il s'est avéré que cette méthode réduit de moitié l'effort de traction nécessaire et a certainement dû être la méthode utilisée à l'époque pour édifier ces chefs-d'œuvre architecturaux. Le diolkos de la Grèce antique pourrait être aussi l'ancêtre du chemin de fer. Aujourd'hui encore, il est possible de voir les vestiges du chemin guidé d'aller, exploité vers les 600 ans avant Jésus-Christ, grâce auquel les navires pouvaient traverser l'isthme de Corinthe par voie terrestre, et qui avait une chaussée devant s'étendre sur 6 à 8 km et comportait une sorte de rail rudimentaire. Le diolkos évitait un dangereux périple aux navires qui devaient se rendre de la mer Ionienne à la mer Égée. Malgré les mentions fréquentes du diolkos dans le cadre d'opérations militaires, les historiens modernes reconnaissent que le rôle principal de ce chemin a dû être le transport de marchandises. Le fait qu'il ait été utilisé et entretenu longtemps après sa construction indique qu'il est resté pour les navires marchands une alternative attrayante à la route maritime contournant le Péloponnèse pendant une bonne partie de l'Antiquité. La voie charretière ou le réseau de chemins guidés dans les mines au Moyen-Âge sont également des précurseurs qui peuvent être considérés comme l'aïeul du chemin de fer. Là aussi, des vestiges de ces rigoles de pierre sont encore visibles de nos jours. On en a retrouvé à Pompéi datant de l'an 50 après Jésus-Christ. L'histoire du chemin de fer dans sa forme de transport guidé associant une voie ferrée et des véhicules spécifiques tractés par engins à moteur commence en Grande-Bretagne. C'est en 1825 en Angleterre qu'une transition s'opère entre un moyen d'acheminement utilisé dans les mines de charbon et la mise en place d'un nouveau service de transport exploité par une entreprise indépendante entre la ville minière de Darlington et le port de Stockton. Cette invention fut possible grâce à la découverte des possibilités offertes par l'exploitation du charbon comme combustible produisant de la vapeur. Cette nouvelle énergie permet aux machines de fonctionner automatiquement. Ce principe, combiné au progrès de la sidérurgie, rendit possible la construction de machines se déplaçant toutes seules, les premières locomotives. Le train est alors le moyen de transport de la révolution industrielle. Très rentable, les premières lignes privées s'ouvrent rapidement aux voyageurs et se multiplient en Europe. Le paysage se transforme et les pays qui exploitent la technologie ferroviaire sont propulsés au rang de puissance économique. Pour le continent africain, c'est malheureusement une toute autre histoire. Les chemins de fer ont été les infrastructures de transport les plus emblématiques de la colonisation.
En effet, les empires coloniaux, avides de nouveaux espaces à conquérir et de nouvelles richesses à amasser, vont très vite miser sur ce mode pour piller les ressources africaines. Outils de contrôle des territoires, d'accès aux espaces enclavés, d'exportation de matières premières, ils reflètent sans nul doute l'expansion territoriale coloniale. En 1889, au Congo, la ligne Léopoldville-Matadi accélère l'exploitation du caoutchouc et de l'ivoire par les Belges. D'après les historiens, cet ouvrage coûta la vie à 17 000 personnes. Entre maltraitance et crimes aux conséquences atroces et qui ont dévasté une partie de la population de cette ancienne colonie, ce système d'exploitation fait des millions de morts et de mutilés au tournant du XXe siècle. La jonction Brazzaville-Pointe-Noire du Congo-Océan est réalisée après 13 années de travaux. 930 millions ont été dépensés pour cette œuvre qui a permis de relier le bassin du Congo directement avec la mer. C'est non seulement un grand progrès dans la mise en valeur des colonies françaises, mais aussi une amélioration du sort des populations indigènes de l'Afrique équatoriale. En 1904, ouvre le premier tronçon de la ligne qui reliera le fleuve Niger au port de Dakar. Là aussi, afin de faciliter l'acheminement des matières premières vers la métropole française. Toujours aussi peu regardant sur le coût humain, ces chantiers ferroviaires ouverts dans des environnements éprouvants vont laisser derrière eux de nombreuses victimes. À Alger a lieu le débarquement de la Garat 2, la plus puissante locomotive destinée au réseau algérien. On procède également au déchargement et à la mise sur rail de 8 nouveaux wagons-postes. L'Algérie possède maintenant un matériel moderne aussi puissant que celui d'Europe. L'épopée du rail colonial concerne aussi notre pays. En Algérie, durant la colonisation, la France voit dans le chemin de fer un moyen idéal pour extraire les ressources du pays. Dès 1857, commence la construction de ce qui aboutira à l'indépendance à 5014 km de voies ferrées. Officiellement, ces voies coloniales sont destinées au transport des matériaux militaires et des soldats, mais les vraies intentions de cette expansion sont clairement ailleurs. Quand on parle du réseau ferré algérien, on fait référence au réseau qui existait durant la période coloniale. Mais il ne faut pas oublier que le réseau ferré qui existait pendant cette période-là, c'était un réseau ferré orienté vers la récupération de toutes nos richesses vers la métropole. Vous savez, comme tout pays qui veut coloniser un autre, la première des choses auxquelles on pense, c'est comment transférer, transporter les matières premières de l'endroit où elles ont été découvertes jusqu'au port. Alors le meilleur moyen de transport, c'est le chemin de fer. La colonisation a réalisé des lignes ferroviaires pour pénétrer, coloniser encore le pays. C'est dans cet objectif que le colonisateur a réalisé ces lignes-là. Il l'a fait pour ça, pour pénétrer et coloniser encore davantage le territoire de l'Algérie, d'une part, et aussi pour piller les richesses. Particulièrement quand il s'agit de matières premières comme le charbon, le minerai de fer, le phosphate, tout ça, ça nécessite des moyens de transport lourds. Donc c'était les chemins de fer. La France qui continue de façonner son empire colonial en cherchant de nouvelles opportunités de croissance pour ses industriels en plein essor, voit avec un intérêt particulier le développement du chemin de fer en Algérie. Un intérêt qui s'accroît suite aux résultats des premières explorations scientifiques du pays et qui met en évidence d'immenses richesses à exploiter pour les secteurs du commerce, de l'agriculture et de l'industrie. La liminière, elle drainait toutes les richesses en termes de phosphate et minerai de fer vers le port de Annaba pour l'export. La cartographie du réseau ferré colonial semble démontrer clairement ce pillage des ressources algériennes, avec ses rails à la verticale partant des zones minières et agricoles vers les ports du nord du pays. On voit là distinctement l'appropriation des produits agraires, des minerais de fer, de phosphate et autres matières premières et leur destination, la métropole française. Le chemin de fer, dans les années 50, c'était un maillage pratiquement important.
Il y a des pénétrantes qui vont jusqu'à Béchar, d'un côté, et jusqu'à Soukaravas et Djibelank de l'autre, à Tebessa, puis de l'autre côté jusqu'à Kajelfa, évidemment. Il servait beaucoup plus aussi au transport des troupes militaires depuis les ports jusqu'à travers le territoire national. Si le développement du réseau ferré a tout naturellement accompagné la conquête du territoire par les pouvoirs coloniaux, en plus du pillage des richesses, et que le train a représenté de manière évidente l'introduction de plus en plus profonde de la politique expansionniste de la France en Algérie, la résistance armée et le peuple algérien va utiliser cet outil comme un élément central dans sa démonstration d'opposition à ce régime, et va mettre le train au cœur du combat et de la lutte de libération nationale. Le train faisait partie des cibles à détruire. Parce que c'est le moyen de transport, et transporter les troupes par le train. Et en même temps, à partir du moment où vous bloquez le rail, c'est déjà une perte pour eux. Voilà, ça fait partie des objectifs et des cibles pour l'ALN et le FLN. Le peuple algérien va mettre le train au cœur du combat et de la lutte de libération nationale. Des actions ciblées qui finiront par déstabiliser les projets impériaux de la France coloniale. Il y avait le mitraillage des rames, ou bien en place des obus qui n'ont pas éclaté. Parce que quand ils bombardent à travers les montagnes, ou bien on bombarde dans des villages, il y a des obus qui n'éclatent pas, des obus de mortier et de canon, évidemment. Et ces obus sont repris et utilisés comme un moyen en les piégeant sur les rails, sur le passage de train. C'est une forme de résistance de nos concitoyens à l'époque. Moutini. الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك. Au lendemain de l'indépendance, les Algériens qui vivaient jusque-là une situation socio-économique critique, entre pauvreté et misère et avec un taux de chômage de 70% et un taux d'analphabétisme de 90%, vont très vite prendre leur pays à bras le corps. Les entreprises publiques vont constituer le fer de lance de la stratégie d'industrialisation des années 60 à 70. Leur restructuration fut promulguée par texte de loi. Ainsi, la Société nationale des chemins de fer français en Algérie devient la Société nationale des chemins de fer algériens le 16 mai 1963, créant emplois et perspectives d'avenir pour un peuple qui a trop longtemps souffert. Et pour que cela soit, il a été mis en œuvre une politique de développement national qui répond aux impératifs majeurs de l'Algérie indépendante et de ses objectifs. Les objectifs en 62, c'était de maintenir d'abord le chemin de fer en service et éventuellement de le développer, de le moderniser et de créer les conditions nécessaires pour pouvoir assurer sa pérennité. À partir de 62, il y a eu plusieurs programmes, même il y a des programmes spécifiques pour la SNTF. Ces programmes, il y a plusieurs objectifs. Ces objectifs, c'est la remise aux normes de la voie ferrée. Avant, c'était la plupart des voies étaient des voies en voie étroite. C'était donc important la redéfinition du rôle du chemin de fer après l'indépendance. Une redéfinition du rôle du chemin de fer qui en fait le parfait partenaire de l'évolution d'une Algérie en pleine reconstruction. Et avec une politique nouvelle basée sur l'indépendance économique, la formation, l'emploi et la valorisation des ressources locales. Un défi autant plus important qu'il y avait à l'époque tout à faire. Au chemin de fer, qui était composé à 99% de personnel, particulièrement le personnel dirigeant, même les moyens, qui était constitué par des Français.
des pieds noirs. Les Algériens étaient minoritaires, c'était surtout des postes subalternes, des postes d'emploi qui ne nécessitaient pas beaucoup de responsabilités. Moi, j'étais à l'époque dans un bureau, le service central médical. Nous étions deux Algériens. Et l'Algérien qui avait là-bas, c'était un classeur. Et moi, j'étais aide-classeur. Le dirigeant de l'époque, il faisait partie de l'OAS. Et par conséquent, les travailleurs français se sentant visés, eh bien, ils commençaient à partir. L'OAS poussait justement les cheminots à l'époque de partir, et en leur disant, si nous partons, pour que le chemin de fer puisse fonctionner, il faudrait lui atteler des chevaux, ou bien des mulets, pour tirer le train, parce que vous serez incapable de prendre la relève et de faire fonctionner le chemin de fer. C'était donc un défi qui a été lancé, et la jeunesse, les jeunes, à l'époque, moi j'avais 25 ans, les jeunes à l'époque étaient enthousiasmés et avaient relevé le défi. Au cours de cette période, un large programme d'investissement a été lancé, se caractérisant particulièrement par la modernisation et l'accroissement de la capacité des lignes du réseau. De grands aménagements ferroviaires régionaux ont permis la réalisation de plusieurs nouvelles lignes et une extension géographique sur tout le territoire national. C'était donc une équipe soudée, patriote, qui voulait à tout prix s'imposer et créer l'enthousiasme nécessaire pour que le chemin de fer puisse continuer. Ils ont fait appel à des retraités qui ont assumé des responsabilités même moindres, à qui on a donné de nouvelles responsabilités plus élevées, de façon à pouvoir, par leur expérience, maintenir le chemin de fer en état. Et ben, au bout de 2-3 années, non seulement le chemin de fer ne s'est pas arrêté, mais il a fonctionné beaucoup mieux que lorsqu'il y avait les Français à l'époque. C'était un défi qui a été lancé et qui a été relevé par les jeunes qui ont repris la relève au sein de cette entreprise. Malgré ce déficit important en main-d'œuvre qualifiée et en encadrement, ces premiers cadres algériens en majorité autodidactes ont su concevoir et développer une expérience algérienne permettant à l'Algérie de se positionner rapidement au devant de la scène des jeunes nations. Ils ont permis rapidement le bon fonctionnement des institutions nationales et la réhabilitation de l'économie. Le réseau ferré connaît à cette époque-là un nouveau programme d'investissement qui permet la réalisation de 203 km de nouvelles lignes, le doublement de 200 km de voies sur la rocade nord et le renouvellement de 1400 km de voies et ballast. Toutes les lignes ont été modernisées. Par exemple, la ligne de voies étroites entre Mohammedia et Maaskar Béchar, c'est une ligne à voies étroites qui ne permettent pas le tonnage actuel et la vitesse actuelle. Maintenant, le train portant à Béchar, il part d'Oran, Sidi Bel Abbès, Tabia, Djemdemouch, Mcheria, Béchar. Les produits qui étaient transportés, c'est beaucoup plus des produits qu'on appelle nous les produits stratégiques, que sont le minerai de fer, le phosphate, sur la ligne minière, et qui vont sur le TBSA jusqu'à Annaba, et des mines de Wenza et Boukhadala sur le complexe de l'Hadja. Et puis il y a le transport de carburant, le transport de céréales sur différents points sur le territoire. Je dirais que c'est 4 produits qui représentaient en moyenne 80% du volume qui était transporté. Et petit à petit, l'activité commençait à être étendue sur d'autres produits manufacturés, d'autres produits de matières premières. Durant les décennies qui vont suivre, l'Algérie va connaître sa grande période d'industrialisation. La croissance va nettement augmenter ainsi que l'offre. L'exploitation ferroviaire devient un acteur économique majeur dans le transport de tous les matériaux et leur acheminement de région en région. Les recettes budgétaires du pays passent de 29,2% à 42,6%, correspondant à une augmentation de plus de 13% du PIB. Concernant le secteur du transport, à la fin des années 80, l'offre de capacité en tonnage connaît une croissance de 280%.
l'entreprise des chemins de fer va œuvrer à la modernisation et à la standardisation aux normes internationales et au doublement des voies ferrées, ainsi qu'à la modernisation de la signalisation et télécommunications. Durant les années 90, la SNCF exploite un réseau de 3500 km. Mais le drame qui s'abat sur le pays va avoir des répercussions désastreuses sur toute la population. En plus de la terrible violence envers les personnes et la terreur qui règne partout sur le territoire national, le terrorisme tentera de faire reculer, voire s'effondrer toute l'activité économique du pays, notamment celle du secteur ferroviaire. La décennie noire, elle a touché, comme tout le monde le sait, donc elle a touché toute la société algérienne. La SNCF, elle a beaucoup subi dans la période de terrorisme, à l'instar des autres entreprises, parce que la SNCF ne s'est jamais arrêtée. Même pendant la décennie noire, la SNCF, elle était là, elle était présente, que ce soit pour le transport de voyageurs ou bien pour le transport de marchandises. Lors de cette période, et comme dans beaucoup d'autres secteurs, les employés, forts de leur engagement militant et national, ont porté à bout de bras leur entreprise afin de maintenir les trains sur les rails, et ce, parfois, au prix le plus cher. On a perdu beaucoup de cheminots, Rabbi Rahmam. C'est des gens qui ont résisté, qui n'ont pas baissé les bras et qui ont fait circuler les trains malgré les conditions, étaient des conditions dangereuses. Mais malgré ça, le train a toujours sifflé, a toujours circulé. Un train qui continue à siffler, comme pour faire entendre haut et loin la voix d'un peuple qui résiste, un peuple qui reste solide faisant face à tous les défis. Soit de nuit, soit sur les longues distances, on a perdu beaucoup de matériel et on s'est retrouvé dans des situations critiques principalement puisqu'on avait obligation de maintenir ces trains en service. Les déplacements pour le service des voyageurs, donc il a diminué par rapport aux habitudes, par exemple, des années antérieures. La SNCF a subi des dommages, que ce soit des dommages sur l'infrastructure ou bien des dommages sur le matériel. Des dégâts humains aussi, évidemment, parce qu'ils attaquent sans discernement. Et c'est, évidemment, les trains de voyageurs, c'est eux les premiers qui sont visés. Et donc, malheureusement, c'était une décennie très, très douloureuse pour l'ensemble du peuple algérien. Voilà. Chaque fois qu'il y a eu un acte de malveillance, il fallait réparer. Donc on a consommé à l'excès nos stocks de pièces de rechange et on est arrivé à cette rupture de stock. Malgré ces lourdes pertes humaines et matérielles ayant des répercussions considérables sur le coût économique, la SNCF va continuer d'assurer son fonctionnement et prodiguer un service d'intérêt général qui rentre précisément dans le cadre de ses missions fondamentales de transport public. La SNCF donc a assuré toujours ses trains, alhamdoulilah, moyennant donc l'accompagnement de la gendarmerie nationale et de la sûreté nationale, qui nous ont accompagnés justement pour assurer l'ensemble des circulations au niveau de la SNCF. D'ailleurs, d'un point de vue économique et en termes de production, l'entreprise réalise à ce moment-là l'équivalent de 7 millions de tonnes de marchandises, garantissant par là même les trains voyageurs incluant les trains de nuit, et ce avec l'accompagnement des services de la sécurité nationale. Je salue tous les cheminots, c'est-à-dire qui ont résisté à cette période et on a assuré les trains et on a sauvegardé nos moyens. Donc c'est pour ça qu'à partir du début des années 2000, on a prévu un plan d'investissement et de remplacement du matériel qui a été perdu. Et on a opté pour une stratégie bicéphale où on a opté pour l'acquisition des matériels neufs et en même temps la réhabilitation du matériel vétuste qui était resté en service. Donc dans tout ça, ça nous a permis d'acquérir une certaine expérience dans la maintenance, la réhabilitation. Ce programme de réhabilitation, il a été assuré par l'ingénierie algérienne, la maîtrise
algériennes dans nos dépôts, dans nos ateliers. Donc on a lancé plusieurs programmes avec une main d'œuvre algérienne et un savoir-faire aussi algérien. Même l'ingénierie, c'est-à-dire on a été accompagné durant les premières voitures et après on a pris le relais avec une compétence totalement algérienne. Par exemple, si on prend un chantier de terrassement, il y a toute la sous-traitance, il y a toutes les spécialités, partant de la carrière jusqu'à la mise en œuvre. Tout le monde participe à la réalisation d'un kilomètre de voie. On a fait des lignes à travers les hauts plateaux. C'est les jeunes des hauts plateaux qui ont travaillé. On a créé 18 500 emplois directs uniquement en phase de réalisation. Il y a pas mal de contrats qui ont été lancés dans ce sens. Il y a la réhabilitation des locomotives avec EMD, c'est un constructeur américain très avéré. Il y a aussi avec GE, General Electric, un autre type de locomotive. Il y a la réhabilitation du parc voyageur. On est en train de réhabiliter même les wagons transport marchandises. On est en train de faire en sorte que ces contrats vont évoluer en partenariat, notamment avec les Suisses, par exemple, l'entreprise Stadler, dans le cadre de la maintenance des rames automotrices qui circulent actuellement sur la banlieue algéroise. On a un retour d'expérience très satisfaisant, il y a un transfert technologique, il y a une formation continue d'entre personnel. Ce partenariat, il va s'élargir pas uniquement sur la maintenance, mais aussi pour le montage des rames automotrices. Pour le fret, il y a des contrats pour la réhabilitation. Mais cette fois-ci, c'est pas à l'international, on est à 100% en local avec des entreprises nationales comme celle qui est située à Naba Ferrovial. Et actuellement, on est en discussion avec une autre entreprise pour engager un partenariat avec eux, c'est l'ENCC. Ça, c'est pour la maintenance et la réhabilitation, la modernisation de notre parc transport fret. Il y a des entreprises nationales et des bureaux d'études nationales et des gens qui suivent ces projets. C'est des ingénieurs algériens formés dans des universités algériennes qui sont en train de faire. Et là, le fruit, il est là. On a réceptionné des lignes construites par des Algériens. Et nous avons réalisé des succès aujourd'hui, des logiciels et des systèmes de gestion logistique qui étaient développés ailleurs, au Canada, où les données algériennes se trouvaient au Québec. Aujourd'hui, Rail Logistique a pu, grâce à des jeunes ingénieurs développeurs algériens, développer des systèmes meilleurs que ceux utilisés auparavant et en préservant la sécurité de nos données économiques. On est obligé de moderniser notre façon de gérer, notre façon d'exploiter, notre façon d'aller vers le client et tout en gardant dans l'esprit il faut atteindre un objectif. Notre objectif, il est simple, c'est-à-dire augmenter notre part de transport et faire répercuter cette optimisation sur le client. Issu du SNAT, le schéma directeur qui régit le domaine ferroviaire s'articule sur trois phases principales. La première consiste en une phase de rattrapage qui comprend la finalisation de tous les projets lancés dans les années 90 à 2000, tels que la ligne Bourj-Bouharerech-Msila-Ntouta, Ouain Mlila vers Sidi Yahia à Tebessa aux frontières de l'extrême est du pays. La deuxième phase, quant à elle, est une phase de consolidation, une phase consistant au développement de la ligne historique reliant l'est à l'ouest du pays. Cette ligne passe par l'essentiel des grandes villes algériennes, elle-même reliée par des dessertes aux 9 ports algériens. Cette ligne stratégique a subi le doublement de sa voie de manière à augmenter sa capacité et de rectifier ses tracés. Ce qui nous mène vers la troisième phase dénommée phase d'extension. Cette phase prend en charge la rocade des hauts plateaux. Parallèle à les lignes du nord, elle comprend également les pénétrantes vers les villes du sud du pays, telles que la ligne Sidi Belhabès-Béchar ou encore une voie en cours de réalisation qui va bientôt relier Hassim Saoud à Tougourt. Cette phase d'accroissement prévoit la réalisation de la nouvelle ligne minière reliant le port de Annaba aux mines de fer de Boukhadra et de Wanza, ainsi que les mines de phosphate de Jebel Ankh et Bled Lhadba. Afin d'assurer un saut qualitatif au chemin de fer, garantissant par là la modernisation de son réseau et de son exploitation, le secteur ferroviaire a bénéficié d'un vaste programme consistant en la mise en place d'un maillage territorial plus important, permettant la pénétration de tout le territoire national. On vient de mettre en place en 2020 une nouvelle stratégie qui est axée essentiellement sur le client. C'est-à-dire que c'est en fonction du besoin du client, on adapte nos besoins en transport. On l'a décliné sur plusieurs axes.
Le premier axe, c'est l'axe transport fret. Le transport fret, on a intégré cette notion de porte-à-porte. Par exemple, si vous prenez le phosphate, il vient de la mine jusqu'au port de Annaba, où il est mis sur des navires et il est exporté. Le minerai de fer, on le fait sur le porte-à-porte. Le carburant aussi, on le fait, parce que c'est sur des embranchements particuliers. Ce qu'on appelle des embranchements particuliers, c'est des raccordements qu'a le client au réseau ferroviaire. Il faut savoir que nous avons l'ensemble des zones industrielles sont équipées de voies ferrées. Malheureusement, elles ont été un peu délaissées. Nous travaillons justement pour un peu redynamiser et réhabiliter ces voies et nous permettre également d'accéder aux différentes zones industrielles où il y a un potentiel transport important. On a raccordé récemment Bellara au port de Jinjin avec la création du complexe sidérurgique de Bellara. Du côté de Biskra, on a raccordé aussi des cimenteries pour permettre aussi d'exporter le ciment vers d'autres pays. On est en train de raccorder aussi la zone de Batiwab. Il y a un projet du phosphate, donc phosphate de Bled Hadba vers Doued Kibrit pour le transformer, après l'évacuer vers le port de Annaba. Ça permettra aussi l'évacuation des produits vers l'extérieur et de réduire les coûts de logistique. Mais sur certains nombres d'autres produits, on ne peut pas le faire. Donc, avec la mutualisation des moyens de nos filiales, on a mis sur le marché du transport une offre multimodale. On peut assurer aux clients une offre complète de porte à porte, du port jusqu'au dernier point de livraison, ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Et puis, on peut même passer par la gestion du stock sur des plateformes logistiques. Rail Logistique, elle s'active sur toute la chaîne logistique sous-douane. Et donc, du transit, dédouanement, transport, routier, ferroviaire, emmagasinage, stockage, gestion de stock potier, etc. Actuellement, nous avons 14 filiales. 14 filiales, elles sont classées par segment. Nous avons le transport des céréales à 50%, l'OIC 50% à la SNTF. L'OIC, c'est l'Office algérien interprofessionnel de céréales. La mission principale, c'est de prendre en charge et d'organiser le transport de céréales par wagon. La première mission de TANA, c'est de participer au débarquement des navires. Et ça concerne le blé d'importation. Et les ports concernés, c'est les ports embranchés au réseau ferroviaire. Ces ports, il y en a 6 à l'échelle nationale qui sont embranchés. Nous travaillons pour encore encourager les ports de manière à réhabiliter les voies ferrées et ça permettra aux trains d'aller dans le port et d'assurer ces transports de marchandises vers différentes bases logistiques qui sont prévues d'ailleurs aux différents niveaux en Algérie. Dans le cadre de l'aménagement territorial, il y a des bases logistiques qui sont prévues au niveau du nord, au niveau des hauts plateaux et au niveau du sud. Notre programme annuel, il est de 1 million de tonnes. Et on arrive à réaliser à peu près 80% de ce programme. Une fois que la collecte se termine, le blé de la production nationale est stocké dans les silos. À ce moment-là, avec un programme et une coordination entre les services de la SNTF et de l'OIC, le train participe au transfert interrégion entre les régions de l'Est vers l'Ouest, l'Ouest vers le Centre. On participe d'une façon normale et régulière dans le transport de la production nationale. Nous avons une prise de participation avec Naftal qui fait le transport de carburant. Gasoil, essence, GPL, etc. Pareil. La STPE, qui est une entreprise publique qui relève du secteur économique et qui est une société par action détenue équitablement par la SNTF et Naftal, à 50-50% par les deux entreprises publiques qui se sont entendues en 1999 pour mener une action commune, puisque le principal client de la SNTF pour ce qui est du transport des produits énergétiques et essentiellement des carburants, c'est Naftal. Et puis, la STPE a fait par le passé et s'apprête à reprendre
le transport également des mêmes produits pour compléter des parcours qui ne sont pas assurés par rail, les compléter y compris par la route. Le train a participé dans le transfert de d'une partie de la production du Grand Sud, c'est-à-dire la région Adrar. Malheureusement, le train n'arrive pas jusqu'à Adrar, donc il y a une partie, le tronçon Adrar-Béchar, il est assuré par le camion, et on prend le relais là à partir de la gare de Béchar, parce que c'est la dernière gare qui est située le réseau ferré côté sud-ouest. Donc une fois chargés les wagons à partir de Béchar, ils seront acheminés vers le nord, ce soit le nord-ouest ou centre. Le développement des activités de la STPE doit toujours coller au plan de développement de Naftal et de la SNCF. Le chemin de fer assure de nouvelles destinations, donc y compris aller jusqu'au fin fond du sud algérien. Et d'un autre côté, Naftal aussi développe ses infrastructures. Donc nous, quand il y a des perspectives, quand il y a des projets de développement du rail, tout de suite on se projette. Et pour ce qui est du sud, je peux vous citer à titre d'exemple le projet pilote que nous allons lancer très bientôt avec Naftal et la SNCF, qui consiste à transporter les produits GPL entre Sidi Bel Abbès et Béchar. Il y a la ligne sur le Hassib Saoud, il y a la ligne sur le Raljbilat aussi. Donc c'est un projet, si on arrive à les réaliser dans les délais fixés, dans les délais qu'ils nous ont transmis, je pense qu'on va jouer un rôle vraiment plus que prépondérant sur le développement de l'économie au niveau du Grand Sud algérien. Et en même temps, assurer certains segments de cette desserte ou de cette relation de transport par route, avec la participation de filiales, surtout de filiales de la SNCF, que sont la STIM et Rail Logistique. Lorsque nos planificateurs économiques nous parlent d'une autoroute ferroviaire jusqu'au Niger, Mali, Tchad, etc., ce n'est pas du rêve uniquement. On veut être les exportateurs vers l'Afrique de nos produits manufacturés et d'un échange fructueux entre les pays africains et l'Algérie. L'Algérie a des façades, une façade sur la mer et une façade sur le continent africain. Et on a par notre superficie plusieurs corridors. Il y a le corridor du nord qui peut relier le Caire jusqu'à l'extrême ouest. 9% du corridor il est sur le territoire national. Et en même temps, on a des corridors du nord vers l'ouest. Alger, Tamara, c'est la frontière algéro-malienne qui peut permettre premièrement de créer un espace d'échange entre ces pays et le Nord et par la suite l'Europe, qui peut créer une économie en traversant toutes ces villes, que ce soit sur le territoire national ou que ce soit sur le territoire des pays voisins, et en même temps de créer une richesse au niveau de l'Algérie, les zones de Menéa où il y a l'agriculture, il y a les mines, il y a tas de possibilités de rentabiliser ces lignes. Et il y a un autre corridor qui vient de Oran, Béchar, Adrar, Bourj Bedjem Mokhtar pour relier le Mali. Donc ces corridors, ils sont très importants pour constituer des axes de développement et de création de richesses. Aujourd'hui, l'Algérie peut être un espace de transit pour les flux des pays enclavés comme le Niger, le Mali, le Tchad. Et il y a une demande ferme dans ce sens-là. C'est des investissements lourds, colossaux même, mais le jeu vaut la chandelle. Dans le cadre du lancement du méga-projet de nouvelles lignes ferroviaires du sud algérien, qui représente un enjeu crucial dans la politique de développement et de désenclavement des régions, des travaux d'exécution de destinations jusque-là non assurées par le rail vont prochainement commencer. Le volet passager, on a changé notre approche. C'est plus une vente de billets, un train qui circule à telle heure et arrive à telle heure. Le voyageur, il n'est plus un client chez nous. C'est un partenaire.
on voit son besoin. Et à partir de là, on va lui offrir un moyen de transport qui répond à ses besoins. SNTF transporte quotidiennement près de 120 000 voyageurs, l'équivalent de 43 000 millions de voyageurs. Et nous projetons de réaliser 55 millions de voyageurs à court terme, donc d'ici 2026. Ça fait partie donc d'un plan stratégique qui a été tracé par l'entreprise. Il est axé principalement sur le transport déconventionné, le développement aussi du transport touristique. Il y a certaines villes qui se trouvent lointaines du tracé de l'itinéraire de la voie ferrée. On essaie de travailler justement en collaboration des autres modes de transport pour justement créer ce qu'on appelle le transport bimodal ou des fois intermodal, ça veut dire plusieurs modes de transport, bus vers le train et vice-versa. Par exemple, pour la nouvelle ville de Sidi Abdallah, on a vu que le voyageur avait des difficultés pour accéder au train parce que la gare elle est un peu excentrique par rapport à la ville. Donc on a vu avec nos collègues de l'ETUISA. Là, je reviens à cette notion de concurrence, donc on n'est pas en concurrence. On a vu avec nos collègues de l'ETUISA et on a mis en place un service. Ce service, il est basé sur les besoins du client. Le client, il a besoin d'être transporté de chez lui via bus jusqu'à la gare, de la gare jusqu'à son travail et retour. Donc, on a étudié cette demande. Et on a offert ce service. Et on a vu que le nombre de voyageurs a doublé, même triplé en l'espace de quelques mois. Le fait d'écouter, le fait d'être très attentif envers nos clients, on va sortir gagnant-gagnant. C'est-à-dire le client va gagner et la société aussi, elle va gagner en termes de progression, en termes de développement, en termes de trésorerie, en termes en termes d'image aussi vis-à-vis de notre clientèle. Toutes les lignes qu'on a réalisées, presque tous les 20, 15 km, 10 km, il y a une gare. Une gare, on a pris le cachet de la ville qu'on traverse. Et en même temps, ces gares, ils sont dotés de tous les moyens d'accueil des voyageurs, à savoir, c'est des gares climatisées, on offre l'information aux voyageurs, que ce soit son ou téléaffichage, il y a des ascenseurs, il y a des passages souterrains, il y a des gares qui sont clôturées, il y a un accès facile au quai. Toutes ces gares, ils ont un cachet particulier. En même temps, ils ont un cachet de la localité, en même temps un cachet de modernité. La numérisation, c'est un élément donc qui est important pour satisfaire les voyageurs. C'est-à-dire à distance, il peut par exemple procéder à la réservation de son billet, notamment pour les trains de grande ligne. En plus de ça, donc il y a aussi les moyens de communication dont il aura besoin pour remplir le temps de voyage justement dans le domaine de bibliothèque électronique à bord des trains, donc divertissement des voyageurs. Le projet qui est en cours de réalisation avec l'aide bien sûr de l'NTV pour qu'ils trouvent un petit peu une occupation, une certaine convivialité à bord de nos trains, même au niveau des gares. Il y a des applications qui sont en cours de préparation pour permettre aux voyageurs d'accéder à une bibliothèque type film algérien, documentaire algérien, pour vendre aussi l'image de l'Algérie à travers ces modes de communication. Nous avons acquis plusieurs rames de train qui sont très confortables, à savoir bien climatisées, éclairées. Donc c'est très agréable de voyager dans ces trains-là. Et puis l'avantage du train, pour un peu reprendre pour le voyageur, c'est que on est dans un véhicule où on peut admirer le paysage, on peut découvrir l'Algérie à travers le train, aussi bien dans le nord ou à travers les montagnes, les gorges. Nous avons des trains qui passent dans différents types de topographies. Dans le sud, on a
paysages magnifiques. On voit des dunes de sable recouvertes de neige au niveau de Ain Safra. Depuis 2007, pratiquement tous nos cahiers de charge incluent la prise en charge des personnes à mobilité réduite. Depuis la promulgation donc, d'un décret exécutif qui instruit tous les transporteurs à l'effet d'offrir des infrastructures qui offrent une accessibilité point de vue moteur, point de vue physique. Je citerai les pentes, certains sanitaires qui doivent être commodes et aménagés de façon à ce que le personnel à mobilité réduite soit à l'aise. Il y a aussi, donc, par exemple, les souris muets, donc ils ont aussi besoin de tous les types de communication en matière d'affichage électronique et numérique à l'approche de chaque gare pour que même la personne qui ne voit pas ou malvoyante, il peut, c'est-à-dire, être au courant là où il est, par exemple, la gare prochaine, et ainsi de suite. De par le monde, le transport ferroviaire semble présenter également de nombreux atouts écologiques. Dans un monde qui tend à être plus respectueux de la biodiversité et de la préservation de la nature. D'ailleurs, depuis quelques années, plusieurs projets de trains à très grande vitesse gagnent en visibilité. Plus fiables et garantis sans pétrole, ces trains à lévitation s'inscriraient dans une économie plus verte, plus écologique, moins chère, plus rentable en termes de temps et de dépenses. Effectivement, avec l'équivalent d'un litre de pétrole, le voyageur qui parcourt 17 km en avion ou encore 27 en voiture peut traverser 72 km via le train. Face à ce défi de réchauffement climatique, nous avons cherché à savoir si le chemin de fer algérien se positionnait comme un secteur responsable, investissant dans une économie décarbonée. On a intégré dans notre stratégie cette question d'écologie. Le transport ferroviaire par excellence, c'est un transport écologique. Si on récupère un tonnage de 20 camions sur un train, donc ça va être une seule locomotive qui va tracter cette marchandise. Au lieu d'avoir 20 réservoirs en gasoil, donc ça sera un seul réservoir en gasoil. Donc en termes même d'émissions de CO2, on est plus économe que les autres modes de transport. Dans les conditions actuelles, le rail, c'est le mode le plus protecteur et le moins émetteur d'émissions néfastes pour l'écologie. Les recherches dans différents pays permettent aujourd'hui d'avoir, dans un futur proche, des locomotives au gaz naturel, des locomotives à hydrogène. L'électrification du réseau, c'est un autre challenge pour l'Algérie, parce qu'aujourd'hui, notre réseau il est électrifié à concurrence de 9%. C'est insuffisant. Nous devons aller à des taux plus importants. C'est programmé, c'est planifié. Les lignes qu'on est en train de construire, ils répondent parfaitement aux normes et standards internationaux. Lorsqu'on dit qu'un train circule à 220 km à l'heure, il circule dans toutes les conditions de sécurité et de confort. Donc ça, elle a besoin d'une signalisation et d'une technologie nouvelle qu'on est en train de déployer sur ces lignes. Cette technologie de signalisation permet premièrement, d'assurer la sécurité des trains et de réguler et d'augmenter la capacité de la ligne avec un système de télécommunication. Et en même temps, on projette d'électrifier toutes ces lignes. Maintenant, il y a le volet utilisation des énergies renouvelables. On a établi un axe stratégique pour participer directement sur ce volet-là. On travaille en collaboration avec le ministère de l'Environnement par rapport à comment on va introduire des nouvelles technologies pour minimiser l'émission du monoxyde de carbone. On veut aller vers l'électrification totale de notre réseau, aller vers un matériel électrique à 100%. D'ailleurs, actuellement, on a les rames qui circulent sur Alger, c'est des rames électriques. On a les rames, les Coradia, grandes lignes sont en bimode. On peut, à défaut de l'électrification, on peut basculer vers le diesel, mais sur la base, c'est des rames électriques aussi. C'est des rames propres. Il y a une réflexion qui est lancée au niveau de la direction du matériel pour équiper les voitures en cellules photovoltaïques. Et comme ça, on va réduire notre consommation en gasoil. Tous les équipements à partir de 2000, pratiquement 2007 qu'on a acquis sont au nombre déjà pour les équipements européens, donc c'est au nombre Euro 5. Et pour les équipements américains, donc c'est au nombre américain qui est un standard très strict concernant l'environnement.
on est en train de réfléchir au déploiement de l'énergie solaire sur certains équipements. Donc on est en contact avec l'ONU de Sidi Bou Abbès et certaines universités pour essayer de trouver un compromis pour pouvoir développer suffisamment d'énergie dans nos équipements avec l'énergie solaire. Nous sommes un pays qui a la chance d'avoir le nombre de jours d'ensoleillement parmi les plus importants en termes d'ensoleillement. Donc on a utilisé ce volet-là pour équiper nos gares en cellules photovoltaïques. On a terminé une étude d'une gare type et on a même choisi la gare de Zeralda. C'est-à-dire on va tester, on va faire les réglages qu'il faut et on va passer à la généralisation de ce mode de consommation d'énergie pour toutes les gares. Le transport, il équivaut à 35 à 40% des émissions non écologiques mondiales. Et à ce titre, tout travail de rationalisation va permettre une protection de la nature. Ces dernières années marquent un tournant décisif dans le développement du chemin de fer algérien. Le schéma national d'aménagement du territoire définit le réseau ferré comme un maillon fort dans l'évolution économique et y consacre de nombreux programmes d'investissement. C'est ainsi que l'UIC, l'Union internationale des chemins de fer, s'intéresse particulièrement à cette expertise algérienne. Il y a eu déjà une première approche avec l'UIC Afrique. On a entamé une session de formation pour les réseaux africains. On a transmis un petit peu notre savoir-faire en matière de réhabilitation, en matière de maintenance de nos équipements ferroviaires. Et ça veut dire qu'il y a une reconnaissance, c'est-à-dire de cette compétence au niveau de l'Algérie. In fine, c'est-à-dire ils vont considérer d'intégrer l'Algérie comme le hub de maintenance matériel roulant. Ainsi, on sera les leaders de constructeurs de voitures ferroviaires qu'on pourra exporter plus tard vers les pays, pourquoi pas, maghrébins, africains et partout dans le monde. Cette expertise locale reconnue au-delà des frontières rentre dans un programme d'investissement tel que repris dans le schéma national d'aménagement du territoire et considéré comme le maillon fort dans l'évolution économique. Dans un souci de faire du chemin de fer algérien le transport de masse par excellence, un plan stratégique est mis en place. La famille ferroviaire se définit un cap et aiguille tous ses systèmes de guidage afin de manœuvrer dans cette direction. Le transport ferroviaire, on doit le promouvoir. C'est l'économie. Il n'y a pas d'économie sans transport ferroviaire. Là où il y a le chemin de fer, il y a une vie. Il y a une vie économique, il y a une vie sociale. Et c'est comme ça qu'on arrive à fixer les populations et à créer des activités économiques. Que ce soit l'agriculture, que ce soit l'industrie, puisqu'il y a un moyen de transport. C'est très important. Et chez nous, nous avons un pays très vaste, un pays continent. Il est important de développer le chemin de fer, même si au départ, il n'y a pas un impact économique important, mais à long terme, ça va créer un bouleversement total au sein de la population. Les priorités pour réaliser ces agrégats, c'est améliorer la disponibilité premièrement du matériel, deuxièmement l'amélioration des infrastructures, à savoir donc l'ouverture à l'exploitation de nouvelles lignes, notamment les lignes qui relient les hauts plateaux et le nord du pays, ainsi que le sud bien sûr vers le nord du pays. Il y a aussi la formation du personnel dans les domaines donc d'activité voyageurs, donc à savoir la communication, notamment, et les techniques d'accueil, et ainsi de suite. À partir de là, l'objectif qu'on a tracé, c'est 55 millions de voyageurs et 12 millions de tonnes à transporter, horizon 2026, à court terme. Et nous, on est en train de construire des lignes de chemin de fer répondant aux normes internationales, garantissant le confort et la sécurité et la vitesse voulue, parce qu'on a pris comme option de réaliser les lignes en Algérie pour une vitesse de 220 km à l'heure pour le fret et le voyageur. C'est très important, c'est le fret et le voyageur. On a un trafic mixte qui sont dotés d'une signalisation moderne type ERTMS niveau 2, ce qui se fait en Europe. Et avec toutes les commodités, même il faut pas lorsqu'on fait une ligne chemin de fer, on fait circuler des trains, il y a des centres de maintenance. Aussi, on livre des centres de maintenance
à la SNCF pour assurer leur travail d'exploitation dans des conditions optimales. On a un réseau qui a un système de contrôle-commande parmi les meilleurs systèmes de contrôle et commande. Même dans le réseau projeté, on a opté pour les systèmes de contrôle et commande, notamment le RTMS niveau 2, le TCS niveau 1, GSMR et plus d'autres moyens. Prévision des perspectives entre 2022 et 2026, on a prévu donc une mise à niveau des automotrices avec l'augmentation de leur capacité. De par l'expérience qu'on a acquise déjà sur les premières opérations de réhabilitation, on va se limiter à l'acquisition des équipements. Et toute l'opération se fera avec l'ingénierie et le personnel SNTF. On fait en sorte pour que la SNTF transporte un maximum de volume de marchandises, donc de produits énergétiques. Les deux entreprises étant investies de la mission de service public, donc il est de notre devoir à tous d'aller vers toutes les régions du pays. La SNTF doit changer. Ses clients et le contexte économique actuel l'obligent à changer et à progresser en définissant un cap ou autrement dit une ligne directrice. Elle connaît ses échéances. 2025, le retour indispensable à l'équilibre économique qui passe par un accroissement significatif de son trafic, et en 2028, c'est l'amélioration des performances. À cet effet, le ferroviaire devient la réponse du transport à nos clients qui ont un besoin très diversifié. La SNTF sait désormais qu'elle peut engager une véritable dynamique de progrès, comme elle peut regarder l'avenir avec optimisme. Nous avons aujourd'hui un environnement très favorable car il est soutenu par une forte demande de la clientèle et une volonté politique qui la pousse vers l'avant. Je souhaite que le chemin de fer continue à se développer, se moderniser et créer à travers cela une économie florissante de façon à ce que le pays soit pratiquement ramifié par des lignes de chemin de fer. Là où il y a vie humaine, il doit y avoir le chemin de fer. Voilà. C'est un cheminot, fils de cheminot qui parle. Depuis le début de ce documentaire, plus de 10 000 voyageurs ont été transportés et près de 2 000 tonnes de marchandises, tous types confondus, ont été déplacées. Le transport ferroviaire permet d'assurer aux voyageurs et aux chargeurs des services compétitifs avec les autres modes de transport et de répondre à des besoins très diversifiés. Il est un facteur clé de compétitivité et d'attractivité à l'échelle nationale. Il contribue à la réduction des inégalités sociales et territoriales en assurant la mobilité de tous. Il est enfin un atout majeur pour la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique. Ainsi, le rail fait valoir ses qualités intrinsèques, notamment en tant que mode de transport plus économe pour la collectivité, en matière de consommation d'énergie et en tant que mode qui porte des atteintes minimales à l'environnement. Après 60 ans de défis et de progrès, il en va sans dire que le chemin de fer algérien se positionne comme le partenaire silencieux d'une avancée économique sans conteste.